Bonsoir chers amis, bienvenue dans notre émission de Mosaïque et nous avons invité très intéressant. M'a parlé de Jenson Desrosiers, un artiste, un businessman qui était dans New York depuis 30 ans et nous avons besoin de parler avec un monde qui vive, ça nous fait quoi dans la télévision depuis 2-3 semaines. Les partager mais c'est comprendre ça qu'a fait, ça qu'a passé surtout New York côté gain en pile situation qui vraiment est étrange pour moi-même. Alors mon jeune Jenson qui nous rencontrait et dernier voyage qu'on a fait New York vous connaissez toujours Mosaïque, c'est une émission côté deux belles garçons à Chita et puis à Palais et puis garçon que nous avons là, Jenson, bienvenue dans Mosaïque, Jenson Desrosiers. Merci, merci, M. Moncousso. Et ça fait longtemps que je regarde dans l'écran télévision. Nous. Ça fait un plaisir pour me faire aujourd'hui pour continuer à parler. Merci, Ampine, merci, Ampine. Alors, pour que tout le monde connaît que Jenson, c'est un fondateur du groupe musical Phantom. Et que tout le monde connaît, qui était vraiment iconic, si nous avons utilisé le mot américain. Iconic, c'est vraiment un jazz qui marquait le temps, dans l'époque ça. Et puis, parlez-moi un petit peu d'expérience ça, parce que vous êtes toujours dans l'école, là, où tu es formé jazz là. Justement, et son jazz qui a une histoire qui est extraordinaire. Et je crois que. Et nous venons pour mettre un film et nous avons une White Production, une White Woman pour nous faire ça. Mais l'histoire là écrit déjà, dans un sentiment énigme, mais de toute façon, c'est une histoire qui est assez intéressante. Et regarder un bon jeune qui est entré aux États-Unis, qui était supposé à l'école. Quand nous venons à l'école là, nous venons rencontrer aussi des difficultés et racistes et côté que. Je parle aux haïtiens, pas qu'à 10 haïtiens, vous voyez, et ça te vient faire nous et coincer quoi nous, as haïtiens, ensemble, nous te grouper nous ensemble pour nous sortir dans l'école là, c'est une école qui est très fameuse pour Jean-Louis Bagassayo, c'est Erasmus, mon capitaine de Mla qui connaît New York très bien, au compte ça m'a parlé, c'est Erasmus. Et ça nous en high school, le plus sorti de l'école là, nous supposé escorté par la police, nous capons la rue. Et chaque jour dans l'école, bon, qu'il a fait tourner la caille nous. So, faut que nous mécanismes pour te deal avec ça. On 18 mai comme ça, c'est qu'un professeur de l'école a fait le maître Raymond, il était tout haïtien pour te planifier 18 mai. C'est pendant la planifier 18 mai, moi-même, je me suis rencontré avec l'autre compatriote haïtien qui est l'école là, qui a même joué musique. Moi-même, je joue musique tout, mais nous n'avons pas connecté avec l'autre. Et puis, c'est dans le 18 mai, nous avons fait préparation. Hein? Et puis, nous rencontrer et puis nous avons l'autre talent. Et je me dis, bon, et bon côté, nous allons aller là, pour répéter. On prend rendez-vous là. Et puis, c'était un groupe qui est partenaire, qui était. Qui peut courir dans ça, mais c'est un musicien qui te conduit dans le milieu trinidadien, qui fait un groupe haïtien, et puis il tape chercher l'autre musicien, et puis il me rencontre avec eux, et puis nous sommes des partners. Et puis, to make long story short, et après quelques mois de répétition et intense, ok? Et moi-même, c'était moi qui fait sortir en Haïti, là, ça, tout le monsieur était déjà ici. Je te conseille de bagarre en tête, moi, qui presque culturel toujours, parce que monsieur était ici avant. Et dans le vivant, il y a une culture haïtienne, il même été américanisé. So, et il était difficile pour moi, pile, je te convaincu. Mais à la fin, à cette époque, Kassav, époque. C'est clair, je ne vais pas faire ça. Je suis en Haïti à tout plaquement, Babram. Je me fais mes goûts de temps de ne pas me comprendre sans plus de temps de même, parce que aux États-Unis, je n'ai aucune connexion avec ce qui a passé en Haïti.
et moi te fait premier musique créole dans groupe là qui était les Panzou et Panzou pour ka comprendre que c'est dans contexte la jeunesse que me fait li côté que t'a passé en fin d'oreille et dictatorial de Ganati côté que t'a parlé de jeunesse là à découvert c'est Panzou les bagasayo et puis et nous pensons que de là étant nous commençons à entrer la musique dans la communauté haïtienne et après un bon contrat que nous avons gagné pour nous exécuter dans l'autre milieu américain, nous jouons avec un bon gros jazz américain et un manager qui était italien ou italienne qui a dit que qui était définitivement un bel travail. Donc c'était Elise, nous avons l'autre gens, nous avons comporté, nous habillons l'autre gens. Tout le noir tout le temps pour quoi c'est ça qui fait qu'il nous a gagné mon work là j'en ai ouais là et c'était résidu de ça qui s'est passé dans Partners et on a joué avec des scorpions on a joué avec des zombies des white zombies et comprendre c'est là ça nous venons commencer à comprendre business en américain qui va venir les têtes nous fantômes parce que nous pensions que c'est dans Woods and Valley toujours. Et à l'époque, ça, c'est All Black qui est à la mode, c'était Ted Mok à la mode, j'ai lu la Gazaïo. Et nous-mêmes, nous sommes dans Montante, nous sommes dans City, nous sommes dans The Village, nous sommes dans le club qui n'a rien pour avec Haïtien. Et puis, boum, et nous rencontrons avec un autre monde qui est le Jenny Washington qui est dans WLIB et WBLS. And the city podcasting, Apollo Thierry, she was the vice president. Il y a bien maintenant, mais sous nous, et depuis là, ça, nous partons en Afrique, nous jouons avec les grands, les Michael Jackson, les Janet Jackson, les Jermaine Jackson, dans nos tournées pour Mandela, les ça, c'est bien pour ANC, pour les ça, Mandela fait sortir de la prison, pour nous, les tournées. Et dans le niveau de soutien en Afrique, nous faisons une grosse fête ensemble avec Kassav dans Paladium, et featuring Tabou Combo, Fantôme, c'est ça, changer le nom de Fantôme, et puis Kassav, c'est laisse à Haïtien au découvrir nous, pour la première fois, nous montons le drapeau Haïti, dans Paladium, 10 000 monde dans le concert, et côté que nous sommes. Et Underdog Ben, Haïtien, vous connaissez nous. Et puis, nous paraître avec l'hymne national d'Haïti, hein, pendant que d'abord Haïtien n'est pas populaire, même, ou pas de cadre Haïtien. Ah, c'était 1989, et puis, nous vous là pour nous. Nous avons crié, nous avons disposé dans le paladium, et puis nous avons vu les Haïtiens qui ont fallu nous, et puis, of course, qui nous ont fait ça fait mal. Et puis, nous faisons et pression dans le si pour là, à quelques musiques qui viennent prendre place nous dans la communauté haïtienne. Là. Et par contre, nous avons que le fait que nous venons prendre place dans la communauté haïtienne dans un niveau qui est tellement haut, il fait nous quitter l'autre paquet que nous avons avant, ben, nous avons temps pour le paquet américain, encore même parce que c'est sur le RLTE. Et nous avons pour Wyclef, qui était la capture, nous avons longtemps les salles, nous avons fait tout le temps. La communauté de la peau de Vanille, pour nous saluer, pour motiver toute génération saluer, c'est eux-mêmes qui nous prennent avantage que nous-mêmes nous sommes prêts dans la carte américaine, là, et qui fait le Vigny Wyclef avec Adéa Poissier, John Conwell, là, toute cette façon. Mais son bagage qui commence à faire longtemps, et King Kino, et toujours vendre Adéa Poissier. Et haïtien en général, partout. Nous avons la première plaque, nous, et la musique qui est le lit partout, et c'est ça, nous avons parlé pour nous, et nous qui était le ouvre barrière. Et donc, la musique qui est le lit partout, et la musique, ça, et nous partis. Nous avons joué la musique, ça, même nous qui n'est pas haïtien, définitivement, nous avons crié. Et nous pensons que dans l'Europe, ça, c'est un bail, c'est un grève cœur. Il y a un concert qui était presque 50 000 blancs, et puis qui va même
qui a un rapport avec Haïti, mais il faut que je t'explique que ça veut dire que je vais vous expliquer. Believe me, the sound itself. Et va venir tout le monde à l'entendre des musiques. C'est vrai que je ne lis pas pour moi, et je l'ai vu live, c'est bien là. Alors, c'est vraiment intéressant parce que aucun jazz haïtien qui crée le 18 mai. C'est déjà qui rencontrait son fondation à partir du 18 mai. Et ce qui est vraiment différent, c'est que Guéanville jazz haïtien qui commençait dans le milieu haïtien et puis après la PC pénétrée aux États-Unis, même moi fait l'inverse. Et on dit que vous pensez que c'est une erreur d'avoir quitté le marché américain trop vite et rentré dans le marché haïtien. Vous pensez que c'était une erreur? Nous pas connaissons si mon David pour ça. Premièrement, mais pendant que je suis en high school, je suis allé au collège, j'ai eu un lycée qui est dans le City College. Dans le City College, j'ai gagné un mouvement qui a fait avec Zin. Parce que Zin, c'était dans le City College. Alors, vous me dites, pendant que je fais partie de Zin, tout musicien, tout jeune musicien, c'est dans la même base là, après une musique. Et c'est bien Alex Abidar qui était en musique déjà, mais tout l'autre musicien, parce que c'est dans la même base là, ils sont ici, ils sont chiens. Et Maggie, et Tantan Lacol, Oran, tout le monde s'est arrêté, tout le monde vient ensemble, et puis nous sommes ensemble. Oran, sur Lacol, c'est dans la même énergie, hein. Et Zin, Gadjou, et tout c'est dans la même énergie, hein, tout. Mais nous venons créer une petite polémique avec Zin, mais pendant que la maquette américaine, hein, Zin était en blow-up avec Aïe, la maquette haïtienne. Nous pensons que ça, c'est une vérité. Nous pensons que nous devons occuper de ça du tout. Nous devons occuper de nous de côté de l'IA. Mais le fait que Zé est en bloc, nous devons aller lever des filles. Hein? Mais c'est une erreur à ça. Et dans le fait nous-mêmes, et pas bouger pour nous retirer contre les big up your chest. C'est ça qui vient définitivement faire nous établir, comme on dit à l'haïtien. Mais vraiment, et à l'époque, ça nous pas obligé de faire ça parce que c'était très confortable. Vous comprenez? La maquette américaine, non? Mais pour mieux dire, ça que nous disons, c'est parce que nous n'avons qu'à faire les deux. Nous n'avons pas obligé de quitter l'une pour l'autre. Yeah. Vous comprenez? Mais. Et puis personne ne connaît qui, genre, la situation en Haïti a dégringolé. Comment que la Valas vient. Pratiquement craser un pays et que résultat pour les artistes devient vraiment difficile pour générer, pour travailler, pour pouvoir. Il y a des qui fait quoi, mais devient des gens qui pas qu'à sortir la rue, mais ou pas qu'à sortir la rue, ou pas qu'à l'emballe, comprenez? So, effectivement, je pense que si Haïti n'était pas bien tout problème politique, il était avancé. Jazz haïtien peut-être qu'a encore mieux marché, mais du fait que politiquement, il devine une catastrophe, et il devine affecter tout le monde, que ce soit les hommes d'affaires ou les artistes. Je dis, hein, vous comprenez, mais pour Fantôme, c'était le contraire, totalement le contraire. Nous prenons toute popularité, nous, parce que c'était bien en bas. Tout le monde était là, il va à quel côté on peut aller, ok? Et le ça, pendant 4 ans en bas de ça, de 90 à 94, nous avons eu la chance de développer une narrative qui est populaire. Et que nous avons rejoint la population dans la musique, comme Haïti en cowboy, dans la musique, comme pour le Bariam d'Abdiou. Et ça a une banne ou poussée extraordinaire, côté que si Haïti est open, et nous disons ça fait as usual, nous sommes capables de jouer. Et pour l'État, fait tout le monde retourner sur le côté, c'est sans ça, du le lent, tout le monde obligé, pas qu'à l'Haïti, de se faire. Ben Haïti yo, pas de chance pour yon monte. Sou bon market qui, pour nous, avec Zé, qui vient faire Zé pas capable et
fait pour polémique ensemble avec nous, puisque nous sommes ben qui live, nous sommes ben computer, il devient évident pour tout le monde. Ah, fantôme qui gros jazz que c'est. Parce que autrefois, les affaires Bali, ils connaient les papas, ils mettaient entre deux, ils auraient les tels, ils mettaient deux. Mais, dans le temps, ça, tu vois, quand je jouais dans quel jazz, tu étais père, tu étais obligé de faire sauf fantôme. Et ça fait que, en 92, nous invitons une fois un petit match amical pour nous faire dans Manhattan. Donc, quand on a une place sous Broadway, qui est le Roseland, et puis, c'est le ça, c'était juste ça, tout le monde a été réalisé définitivement. Fantôme is the best. Et donc, le fait ça a été sous tape, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ont la tête, parce que son tape, il faut faire des soldats, et puis, en plus, le monde tout a parlé de lui. Et quoi, c'était époque là que tu fais ça. Parce que le monde était plus connecté. Qui était dans la diaspora, parce que la diaspora est toujours pro-Aristide et versus le monde qui est en Haïti. Donc, le monde qui est dans la diaspora était plus à comprendre le mouvement et il était connecté plus à fantôme que Zin à l'époque. Ça. C'est ça qui fait que maintenant, la première musique qu'on joue, la réaction publique, là, c'est tellement et acclamant et j'étais obligé de fermer on va même jouer encore même du tout parce que j'ai dit que c'est songe j'ai dit pas mais c'est pas ça qui est le problème là problème de en dans terrain t'es pour fantôme de sa période pas de jeune fanatique zéro du tout parce que tout le monde dans t'es parce que mon fantôme et parce que 4000 monde qui vient dans On parle de Kounia là. Jeudi à Balem de côté Fantôme lié Kounia. Donc, dans qui stade de est-ce que Fantôme c'est un jazz qui a fonctionné régulièrement, toujours, ou vous le fermez de fonctionner? Bon, et Fantôme, ça fait tantôt 5 ans depuis que je ne suis pas actif. Même dans l'actif, hein? Plus que 5 ans. Mais nous toujours jouons de temps en temps. Nous jouons parce que depuis la fantôme, après fantôme, nous gagnons 10 ans dans le business. Non? Nous te connaissons une mission, nous finissons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas gagner un en plus que faire comme ou du moins continuer à jouer, pas gagner encore une fois faire pour trouver tête dans la maquette. Ou du moins faire place pour l'autre génération. Et nous parler de ça entre nous. Nous étions toujours en nous retenir à New York toujours. Nous avons joué régulièrement. Pas jamais le jazz qui émerge. Parce que le public, non? Et il n'y a pas jamais de l'autre chance. Nous avons toujours comparé tout ça qui est venu avec Fantôme au Pop Café encore du tout. So, once in a lifetime, on a venu ça au Pop Café. Parce que le temps a changé. Bon, bonne bagarre qui a changé. Et il a cherché Fantôme toujours en dedans. Lorsque ça a fait, il y a un jazz dans New York, mais à faire des jeux 7 sur 7. Parce que Fantôme, nous dit, nous allons jouer lundi soir. Il est sold out. Vous comprenez? Pas de ça encore. Nous avons pas un jour, nous allons jouer. Chaque jour, régulièrement, nous jouons. So, la décision à 5 ans qu'il n'est pas joué régulièrement, est-ce que tout le monde bio est séparé à une direction différente ou est-ce qu'il y a toujours tous, majorité de monde était dans New York? Majorité de monde était dans New York, excepté Kino, habité en Haïti. Et bon, naturellement, depuis en 1990, dans le premier recording Kino, la musique qu'il n'est pas pouvant, elle était déjà dit, mais elle est allée à la Cali. Mais elle est allée pas arrêté, mais même aller leur arriver à l'anti-pays, ça c'est pas si Haïti ça les pas pour vendre depuis le ça la petite ça elle dit que qui nous fait un pile attentat depuis longtemps pour le tourner pas Haïti, mais Haïti pas révolu bon pour écouter avec l'âge il résigne l'irrité même pas quoi Haïti style pas révolu.
Non, c'est sûr, c'est sûr. So, ou même, à quel moment que vous devez rentrer dans le restaurant, parce que le Tonnel, c'est un restaurant que tout le monde connaît, que, et qui, à quelle année vous avez créé Tonnel? Bon, premier jour, Tonnel n'était pas le premier business que moi, personnellement, m'ouvrais. M'ouvrais plusieurs business déjà, et me faire plus de qualité d'organisation communautaire, parce qu'après 10 ans, je fais un business, nous voulons plus aider la communauté à développer dans plusieurs areas, surtout dans l'area artistique. Et puis, nous venons réaliser que nous avons fait business tout, nous venons entrer dans le business. Et qu'on est là actuellement, c'est dans health, c'est dans santé publique. On a essayé de faire un coup de main dans la santé, parce que en plus, le monde va réaliser sans un artistic mind qu'a fait. En pile fois bon paquet et là qu'a dit mon yo bloqué dans ces deux bagages yo besoin faire on qui j'ai pour faire procédure yo difficile pour yo moi juste paraît moi joine formule là pour trap 2 c'est dire que artistic mind là il ont l'autre genre fonctionner et me pense que nous ca ba en pile coup de main dans ces deux domaines pas dit pour nous devant par exemple on ca passer mes prince suite Mickey dans sous track ça on pas penser suite Mickey te sous les bien donc mais suite Mickey était capable et bah quelque coup mais artistiquement et dans domaine et culture là dans ministère de la culture même là encore on penser étant donné que suite Mickey c'est ton un chanteur qui était hier, il n'y a pas de gens qui ont administré, vraiment, vraiment, c'est très difficile. Ma mette à l'aise. Pour moi-même, Michel Martelly, c'est un danseur de carnaval. C'est un macaque musical. C'est un aigle qui vraiment montre à nous que même s'il aimait Haïti, ça, Jean le gérer, Jean lui prendre le pouvoir, Jean y régler. Ça, c'est opinion pas. Et je dois dire parce que, pas journaliste, pas, you know, j'ai opinion pas. Je connais Mickey longtemps. C'est pour moi qui mène Miami avant tout le monde. Il est venu en 1984, pour un an d'anniversaire, nous avons commencé à HTN en 84 dans Miami, et pour la fête d'HTN, 84-85. C'est moi qui. Première fois que je suis sorti d'Haïti pour jouer, c'est moi-même qui fait venir dans ma vie. Mais, dans le comportement, monsieur, comme musicien, c'est vraiment un nègre qui n'a pas qu'à mes paroles. Et moi-même, j'ai eu plusieurs exemples de ça avant que le Living Président. C'est pour ça que le Living Président me dit ah, oui. Et, you know, bon. Il n'est pas aussi mauvais que Aristide et Préval, but. Pas d'accord avec ça. Hein? Il n'est pas plus mauvais que Suite Mickey. Parce que Suite Mickey, Monsayo, Aristide n'est pas bien comme. Suite Mickey chargé comme. Oui, oui, mais oh, non, mais attends. Aristide, tu as la volonté de son peuple et tu as gagné en pile pays qui était prêt. Si monsieur t'a eu l'opportunité ou t'es parlé de Mandela, il aurait pu prendre la porte de Mandela à la Caraïbe et montrer que lui-même, il a rassemblé tout le monde. On va... Nous connaissons l'Amérique pas de blé ça. Amérique pas de blé ça. Mais Amérique était vrai, Mickey. Ce sont deux bagages différents. Oui, oui, je connais Hillary qui est nous, Mickey. Parce que yo, Américains, ils ont besoin de monde qui est capable de contrôler. Exactement. On va comparer Martelly avec Aristide parce que je pense que c'est deux bagages totalement différents, deux aspects différents. Et Aristide, il ne faut pas qu'être heureux de comprendre ça. C'était apprenti et il était dans le bagage là. Et lorsque c'est premier, non, anything qu'on fait, on font pas qu'être heureux parce qu'on n'a pas de précédent pour copier sur eux. Et ils font pas qu'être heureux.
Mais Michel Martelly qui était derrière qui a parlé de Aristide Toussaint, pour lui venir avec un bon corps de pour faire plus mal, ça le pas. Et c'est pour ça, c'est pour ça que moi m'a pris, parce que et m'a parlé de ou bien que remarquer une certaine hypocrisie dans la société, c'est parce que Haïtien qui vient là et puis il a parlé ah Aristide non et Martelly pas bon, il pas bon il fait ça et puis dès qu'il y a un petit moment il a mis des musiques Martelly puis il a dansé Martelly. Ah mais pas comprendre moi même qu'on y a là. C'est sûr que Martelly, c'est un bon musicien, il fait belle musique, mais qu'on y a là, pas qu'attendre, parce que l'homme tend des musiques Martelly, m'a songé de, encore une fois, et l'opportunité manquée. So, Mathieu Magay, l'homme tend des Martelly jouer, c'est, par contre, si c'est mon diarrhée qui a vu non vente moins, ou m'a connu si c'est vomi, besoin vomi, mais m'a pas capable encore. Parce que, si on aimait Haïti, ou pas qu'à aimer Martelly. Et ça qui pire, c'est que monsieur a organisé pour venir aux élections prochaines parce que monsieur est président encore. Vous savez dire là? Mais on quitte politique haïtienne de côté parce que nous ne va jamais finir. Je vais dire simplement que Kino commence à rentrer dans la politique. Kino, c'est un nec qui est sincère, mais ou comprendre que c'est un tel glissé en Haïti. C'est impossible pour le monde sérieux vraiment réussi. C'est impossible pour le moment. J'ai passé 33 ans, quitté après l'autre monde de terre. Je me suis dit que je travaille avec tout politicien. Et seul politicien regretté que je gagne, c'est Maniga. Parce que je pensais que nous avions une chance avec lui. Parce que c'est vraiment un vrai un président qui pensait à payer, qui pas pensait à poche-li, qui pas pensait à prendre revanche sous la bourgeoisie ou caser ça, etc. C'est un homme qui était besoin dans l'histoire et on dit que c'était un grand président. Et ça n'a pas gêné. Comment? Là où il y a un homme qui est arrivé et venu au pouvoir. Et seule motivation, c'est que étant un historien, un professeur, il a besoin que dans l'histoire, il y ait écrit « Ah, Maniga, c'était un grand président. » Et that's okay with me. J'aime ça. Mais depuis, maintenant, on est rentré parce que ça qui est intéressant tout, c'est le fait que nous sommes New York, you are a business owner. Moi-même, je suis dans la Floride, je regarde la télévision et puis je regarde l'affaire de George Floyd, que monsieur. Bon, Jean-Monsieur prend la mort avec un policier américain. Et il me dit, ça c'est un bail qui vraiment l'aide en pile. Personne n'a accepté un bail comme ça. Du coup, il y a là, vous voyez que le monde a besoin de protester, manifester. Je dis, bon, ok, that's right, that's, c'est entièrement normal, parce que bail comme ça, faut le finir. Mais, vous commencez que, non seulement que ils prennent la rue, ils ont commencé à craser, briser, ils ont commencé à faire d'autres victimes innocentes. Et puis, moi, que politicien à New York, l'a encouragé par ça. Le magistrat, et puis, qu'on y a même haïtiens qui n'ont poste qui n'ont gouvernement quelque part à New York. Ils ont commencé, moi, je recevais une lettre de Voyoul, une lettre qui dit oui, ça qui va, c'est vraiment grave, il faut que nous bloquions la police, il faut que nous retirions comme dans la police, il faut que nous fassions la police disparaître. En même temps, moi, que petit magistrat de Blasio, il est dans la rue et puis il a arrêté. Il n'a pas arrêté parce qu'il y a un pancarte pour dire et suspendre violence, il a arrêté parce qu'il a fait violence. Petit magistrat. Et puis, magistrat de Blasio commençait à demander à la police quitter Negio Kazé. Quitter Negio Kazé. I mean, moi, je me tendais ça, je me dis, mais nous avons besoin que Haïti tourne les États-Unis. Nous n'avons pas besoin des États-Unis tourner Haïti. Je ne comprends pas. Ou même, on est là sur le terrain et on a un business.
Expliquez-moi. Et l'homme, on parle avec un haïtien qui a un business et puis qui est d'accord avec tout. Mais si on a vu la caille dans le business et puis après, casé, on va pas content. Il dit, bon, on a assurance pour ça. Mais nous pas qu'à, même si, par exemple, nous, comment est-ce qu'on Bichot, oui. Dans l'être, elle écrit, il n'y a pas dit un mot à au monde qui a un magasin, qui a un pile noir qui a un magasin qui est casé, un pile business noir qui est casé, un pile monde qui a un pile noir qui vote pour lui, qui perd du travail, non seulement pour le virus, mais qu'il y a là, tu perds du travail parce que business casé, mais ici, tout l'autre côté que vous supposez commencer le travail semaine dernière, il n'est pas capable. So, il n'a pas dit un mot pour victime de ça, simplement pour qui Jean, c'est comme si c'est la course avec les démocrates pour qui Jean, il a mis à terre, piba, pour dire que et le besoin que la police disparaisse net. Est-ce que c'est moi qui avais une fou ou expliquez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas si on va comprendre. Naturellement, bah, ça a compliqué un peu. C'est tellement compliqué, ma gassienne et le matin, hein, même pour eux, le compliqué tout. Même pour eux, il est très confusé. D'après le speech, Madame Obama, hier, il dit ça lui-même tout, parce qu'il est compliqué. Si vous confuse, bon, mais je comprends que c'est même seul qui confuse. C'est tout confuse. OK? Parce que nous vivons une période de changement, et changement needed, et nécessaire. Dans l'époque changement fait, et tout en confusing for everybody. Au cas où est que les politiciens, les gens qui sont élus et qui sont dans la chaise et comme chef, dans la communauté haïtienne dans New York, ils ont même posé des positions de gauche, ils y a plein tout le temps. Parce que vous comprenez comment vous situez tête, vous n'avez pas connu. D'ailleurs, vous n'avez pas vrai leader, vous n'avez pas anticipé ces réactions que vous avez fait. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut répéter toutes sortes de choses que vous avez fait. Si vous avez un lari, vous avez un monde qui a crasé, et vous suspectez, si vous avez un gain de sponsor, définitivement, il a perdu le vote, il allait avec eux. On ne peut pas anticiper. Il n'y a pas de monde qui, comme si on avait dit, qui gagne en quelle vision, qui casse et fait une série d'allégations qui ont servi pour le futur. Toutes ces réactions qu'il a fait. Après, il a fait ce message qu'il a prononcé. Et pour vous dire, quelle position qui droite, quelle position qui t'a supposé position communauté haïtienne dans sa capacité, c'est difficile, flou ou pas qu'à proposition. Parce que pour quelle raison? Moun y a crasé, y a brûlé, c'est même bien que le coronavirus, nan, et tout son propos venant épais, ou pas qu'à connaître qu'il est fini. Faut qu'on ait les questions commencent à baisser, et nous connaît qu'on venant épais. C'est même avec ça. Et Gomba qui passait, ça passait assez par un bagaille isolé que lié, son bagaille qui a passé depuis longtemps. Depuis le Rodney King, Abner Louima, Doris Moore, surtout dans la communauté, nous avons subi un pile pour les brutalités. Et là, ça a venu là, la communauté a assuré une réponse que le bail. Mais le fait que j'ai écrasé, ils ont obligé à faire abstention. Mais l'abstention que vous faites, naturellement, on connaît Haïti. C'est maman liberté que l'est. C'est lui-même qui a supposé un front row, ça a passé là. Front row. Mais le fait que gagne écrasé brisé, son terre qui part terre par nous, si dans le cas de brisé, ou déjà quand ça va passer, il va vouloir nous tous aller sous critère ça. Il va chercher les gens qui vont nous aller. C'est ça que les Haïtiens font sur soi, sous question ça. Et nous avons manifesté
grief yo, qui a dit que et sont pas content, nous prend trop temps en bas aux charges policiers qui signifie pas de les charges yo. Et yo manifester mécontentement. Est-ce que haïtien quand ça ka pari avant bon bon haïtien qui la donne. Mais officiellement moi-même son leader dans la scène là, on pas bien prononcer sur ça. On pas comme pour qui ça ou admise à lien là avec lui. Ça se voit. Mais définitivement, on pense que oui, il qu'on fait en Haïti, mon qu'on critique en Haïti, mais son réaction qui fait tout partout dans le monde de l'histoire, on va parler de la Bastille. OK? Et réaction ça là tout le temps. Depuis que peuple senti et li oppressé, l'a fait ça définitivement. Mais leader yo qui comportement yo définitivement on pas penser que il est obligé à jouer rôle réactionnaire. Bon, ben ça de ça qui vraiment est, pour moi-même des un problème. Moi, accepter le principe de Black Lives Matter. Comprends? Et quand il y a là, si je prends la rue, quand il y a là, avec un enseigne qui dit Haitian Lives Matter, ça me dit ça. Il y a l'impression là pour un bâton. Parce que je n'ai pas le droit de dire l'autre bagaille matters. C'est seulement. C'est seulement Black Lives Matter. Mais je comprends le principe de Black Lives Matter dans le sens que qui vit un mouvement politique qu'on y a. Et voilà. Voilà, vous vivez pas là? Oui, exactement. Non, mais on continue pas. Ça, c'est on va vous expliquer que normalement, si c'est un chrétien, oui, tout le monde est important. Tout le monde est important. Vous comprenez? Mais, ouais. Mais si c'est. Mais si Kounia Lawab dit, well, all lives matter. Si on a une manifestation avec l'autre, vous avez dit, tout le monde est important. Noir, marron, jaune, et pêche, rose, moi-même presque pêche, rose, babrive en blanc, ou rassembler toute couleur ça, c'est l'être humain qui est important. Mais nous n'avons pas le droit de dire ça, Kounyala. Parce que si vous dites ça, c'est raciste. Si vous dites all Haitians lives matter, vous avez dit, ah, on va passer nous-mêmes nos bêtises. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord avec moi, je suis sage d'avis. Mais qui donne vous que pour moi, c'est un mouvement américain. Là que nous avons lancé le podcast haïtien maintenant la dernière, puis on est capable de faire un message par le passé, ça nous a vraiment voulu gagner une synthèse qui fait un cause haïtienne avec cause païenne. Qui c'est même cause là, mais de toute façon, c'est déjà pas qu'on fait. Par contre, on est couillé là, si nous dit Haitian Life Mother, si on prend au sérieux, même je suis sûr que bon, le cas privé, moi et ma voix, je vais parler encore, pour pouvoir s'intéresser la fête quand même. Le gagner plus accepter, parce que, en pile fois, longtemps, depuis CNN, je vous remarque en Haïti, CNN Bailey, dans le milieu corporate américain, tout le monde a parlé de oh, il y a des Haitians again. Mes amis, vous ne savez pas bien bagage, etc. Je parle de tout, c'est sur nous. Mais, je ne sais pas bien, ça va arriver la caillou. Parce que vous pensez que c'est un gros pays, ça va bien arriver. Et il veut sur nous. Naturellement, et c'est même pas la même chose. Il y
Nous voulons pour qu'on acknowledge Haitian cause, qu'on connaisse la même cause là. Mais il dit la même chose. Tout autre qu'on acknowledge la cause par rapport au Congo-Béglé. Son seul cause, il y a son cause globale. Moi-même, m'a dit que le problème est avec l'idée de all black, the Black Lives Matter, c'est parce que ils ont appliqué Black Lives Matter et ils ont vraiment montré qui gens ont mis des valeurs dans Black Lives si c'est un policier blanc qui tue un noir. Mais combien de noirs qui tuent noirs? Combien de crimes, black on black crime? Alors, moun ki mouri is a black life. Bon, pas jamais personne prend la rue pour affaire de black on black crime. C'est même moun ki a mouri, oui. Mais c'est pas un policier qui fait. C'est maybe a black person or a brown person. Après ça, si vraiment vous regardez combien de noirs qui mouri, just in New York, chaque jour, vous pouvez compter combien d'avortements qui fait. Avortement qui a fait chaque jour, petit bébé noir qui mourit à l'âge de, bon, ou qui a supposé penser avant 12 semaines, mais il a changé la loi, ou qui a allé même dans New York, ou qui a accouché dans 2-3 jours, ou qui a fait avortement, et puis c'est légal. I'm sorry, that's a black life that matters too. Mais il n'y a pas parlé de avortement. Il n'y a pas parlé de black on black crime. Il y a parlé seulement de policiers. Maintenant, aucun policier supposé tuer ni blanc, ni hispanique, ni noir, ni personne. So, d'accord que l'y fait trop souvent, d'accord que faut avec idée. Oui, si nous pas craser, il pas prendre au sérieux. Si nous pas fait ça, il va nous dire non, mais le problème c'est que c'est pour ça que Madame Obama pas d'accord avec lui. Il pas qu'à confuse. Ou bien doit prendre la rue, ou bien doit faire ou demander les autorités ou bloquer toute grande principale pendant 3 jours ou besoin faire une manifestation paisible. Ou a besoin de caser en rien, de tuer personne, mais ou a besoin de montrer, ou a une chita, ou a fait un bagay qui a fait un pile bruit. Peut-être qu'a dit, nous pas déplacer, n'abriter là, dans un côté important, jusqu'à que policiers nous mettent en prison. D'accord, tout va être ça. Bon, dès qu'on commence à prendre une roche, et puis ou a caser une fenêtre, parce qu'on a besoin d'une autre télévision, parce que la caillou ou bien une petite télévision, besoin d'une grosse télévision. On pas d'accord. Nous pas d'accord. On est une société normale. Et est-ce que vous me trompez ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon. Naturellement, soit dit, il est fondamental. Pas un monde qui n'a pas d'accord avant. Il faut dire ce qui est clair. À l'exception que, comme nous, en prenant Black Lives Matter en premier, avant de connaître ce qui est écrasé, je pense que ça fait que vous mettez sous police d'abord avec Black Yo, c'est à cause de l'autorité. Et les deux mondes, les civils et la bataille, parce qu'il y a un white on white crime tout. Pas de problème, c'est que vous parce que si vous avez tout mouvi, il faut mouvi qui est blanc après blanc. C'est tout mouvi. Et tout bien que tu as fait depuis longtemps, ça lui passe, c'est blanc après blanc. Mais il ne se pas de. Parce que c'est une qui a tué l'autre, parce que c'est force proportionnelle. Vous comprenez? Mais là, c'est une autorité, ok, pour pas qu'à battre avec, qui décide de le. Irrationnellement, la éradiquer au fond de l'autre bagage. Mais il y a une question pour vous. Je regardais un pile département de police. Mm-hmm. Et moi, je pensais que dans une société qui
qui travaille depuis des générations pour faire correction, corriger tête li. OK? Redresser le mal. Qui ça y a fait? Tout ça, y a fait, y a quitté ouvert aux élections pour que tout le monde de toutes les couleurs qui arrivait au pouvoir. Qu'on y a là, ou qu'a gagné ou magistrat, et ou t'es gagné, ou magistrat à New York, longtemps, ou noir. Qu'on y a là, ou qu'a gagné ou chef de police, noir, pas gagné institution qui a bloqué ou chef de, ou monde pour arriver chef de police parce que à cause de couleur, ça va exister encore. Ou bien attorney generals qui a choisi qui est-ce pour mettre en prison qui black. Nous même arrivés à qui gagne à gagner au président noir aux États-Unis. Mais si eux même qui arrivent au pouvoir, ils ont pas travail pour corriger problème là. Ou a toujours gagne mauvaise personne. Il y a toujours des gens, même pas utiliser le mot raciste, dans le sens que moi dis, c'est plutôt des ignorants ou des imbéciles, parce que si je dis à Oukadim que je ne parle pas de noir, mais je n'ai pas acheté ticket parce que j'ai besoin de regarder le New York Knicks, next play, the Miami Heat. But how can you be, pourquoi un raciste? Mais ou a payé cher pour regarder un match de basketball, majorité des joueurs, c'est noir. So, c'est des, pour moi-même, c'est un paquet de stupides, ignorants, qui arrivent dans le pouvoir parce qu'ils arrivent dans la police. Mais si chef de police noir qui est responsable, lui pas fait travail lui pour retirer noir ou blanc, qui pas bien travaillé, qui a une mentalité, et qui a fait un crime comme ça. C'est le problème, il n'est pas venu dans la société, c'est parce que le chef de police n'a pas de problème. Est-ce que qui problème il y a? Est-ce que c'est le syndicat police qui a empêché le fait travailler? Comment ça veut dire là? Comment ça veut dire, mais le plus souvent, son problème, c'est ça à parler là, son problème systémique. Son problème, son mentalité. Et en la police corps-là, une cachée pour l'autre. C'est une fraternité. C'est soit avec ou pas avec. Si c'est pas un mouvement dans la police, parfois un crime, même leur tête ou droite est conçue, tête ou droite là, ils vont la prison tout. Parce que, ou pas qu'à dénoncer, c'est pas un lié, c'est pas un crime, et ou pas même un crime là même. C'est juste mentalité, c'est que, pas capable quand même faire ça pour venir dire non pas faire ou wrong pas qu'à dire li wrong. So c'est ça pour éradiquer la police, non, c'est mentalité ça, parce que parmi les tout le monde la police c'est même, mais fraternité qui existe dans le mal là pour écraser si vous voilà pour écraser ça. Mm-hmm. Mais... c'est ça le problème, c'est que plus n'a pas attaqué la police, next ça y a abrité plus. Il y a deux choix, il y a tous démissionné et pas bien personne qui a aimé une police, ou alors il y a une plus solide entre eux-mêmes parce que c'est it's me against the world. Vous comprenez? So, vous connaissez que il y a tout le monde sous émotion. Oui, on paye des émotions, mais sous émotion, on ne peut pas voter loi qui a casé la police non plus, qui a fait disparaître. Sous émotion, la voter, on va raconter ça, qu'on là. Est-ce que vous-même, vous avez un business, vous avez aimé que la police disparaisse de Brooklyn et toute zone New York côté haïtien, vous avez aimé que la police disparaisse complètement, vous êtes content de ça? Eh bien, c'est un jour. Vous avez expérimenté ça déjà. C'est tonnel. La police tout le temps entre dans le tunnel, chaque fois qu'elle est faite, elle vient à 1h du matin, l'heure où il y a un paquet de clients dedans pour une fois inspection.
Mais qui inspection une vieille nouvelle presque chaque mois, même inspection. C'est même pas bien qu'elle a pas expiré dans deux ans. Pour qu'ils soient une inspection chaque mois. C'est même pas bien lié. C'est chaque deux ans qu'ils ont expiré. Donc, chaque mois, ils ont visite. Toutes les jeunes filles ont débarqué. En dedans, ils ont pas gagné. Quel reward pour des personnes qui ont dans Chita, ils ont entré, ils ont crasé. Toute l'atmosphère là pour des potes 45. Il est temps, il a posé question, checké papier, fait 10, fait 10, fait 10, fait 10. Il n'y a pas de gens qui sont en province, il n'y a pas de gens qui sont dans la grosse chaîne de soirée. Never, vous parlez de mon police. Never, c'est la seule business qui est tout en venir une personne qui a une mentalité pour la police. Et police, ça, c'est toujours des blancs, pas des noirs qui viennent du tout? Mais c'est ça. Blancs mélangés à noirs, avec Chinese. Et ça dit que ce n'est pas une question de couleur liée. C'est ça le problème. C'est que qu'on y a là, c'est ça m'a dit. Si ce sont des policiers blancs qui viennent bah au problème comme ça, dis ok, c'est une question parce que c'est un business haïtien, un pays noir en dedans, policiers blancs emmerdés. Ben si on dit que des policiers noirs qui viennent faire même bagaille, dans quel sens? Ça veut dire que ou pas perdu couleur ou là vous rentrez dans l'académie police, normalement, on va supposer perdu couleur. Et ça, Obama a perdu couleur là, il devient président. Parce que l'arrivé président et puis le parti pas arrivé rien pour noir. Okay? So, peut-être institution fait que vous perdez couleur. Vous comprenez? Peut-être. Parce que ça arrive dans la Maison Blanche, vous noir rentrez en dedans, il devient blanc en dedans. Et puis il n'y a rien pour nous. Même Haïti, il va venir visiter une fois pendant les 8 ans que président. Ok? Ça, c'est une honte liée. Ça, on ne va pas parler de ça du tout. Mais nous, d'accord. Yeah. Ça, c'est une honte liée. Et on a quand même dit que Obama, c'est une tristesse pour moi, même Jean Martelly, et une tristesse pour Haïti. Parce que Chicago, qui a plus de crimes, pratiquement toutes les villes aux États-Unis, côté monsieur sorti Chicago, côté il connaît la situation. Dans 8 ans que monsieur était président, il n'y a pas jamais descendu Chicago, fait un town hall meeting, rassembler des éléments. Peut-être même, si vous avez invité Gangyo, fait des réunions privées avec Gangyo, vous dites, monsieur, nous venons président. Parce que il faut que nous fassions une équité permanence. Nous voulons que Chicago ne pague pas tout crime, ça y est. Qui gens ou qui aident, mais c'est noir ou c'est noir. Ça, c'est un président noir qui se pose des travails. Bah ouais, ça. Vous êtes well? Je pense que Obama, c'est Chita sous intellectuel, pour te vendre un noir qui soit. Un noir qui belong to the corporate America, qui se même bagarre blanc, pas problème. Et ça, c'est problème, ça m'y est avec le Parti démocrate là. Léo sous pouvoir, il n'y a pas agi comme les républicains. Les républicains n'ont pas joué. Si vous avez ça, il y a fait. N'importe quel gens qui ont fait là, il y a fait. Les démocrates, le sugar code, le foncier des bagailles, la loge, le foncier des bagailles. Par exemple, je quittais le prend pression tout le temps. Tandis que, on va mettre les lois, fait les premiers 4 ans, concentré sur changer Chicago. Ça t'a plus gauche à tirer dans la carrière. Ça t'a tourné définitivement au pilier pour l'hypo Chita, pour parler tout le temps de ça fait, ça a quitté comme héritage. Bon. Et vous parlez de démocrate. Il y a un bac qui arrive l'autre jour qui montrait mentalité démocrate. C'est le représentant démocrate pour la présidence, M. Biden, qui a annoncé que si vous ne votez pas pour lui, ou pas noir. Ça, c'est mentalité de démocrate. Que vous pensez que tout noir a voté pour lui.
malgré que vous n'avez pas jamais fait rien pour les Noirs. Vous venez parler avec vous là, au moment des élections. Mais après ça, vous disparaissez. Et j'en ai géré l'administration, si vous regardez, la majorité de villes gérées par les démocrates, c'est eux-mêmes qui sont déficitaires, c'est eux-mêmes qui ont plus de problèmes à tous les niveaux de gérance, et c'est eux-mêmes qui quittaient des autres fêtes pendant la manifestation qui ont plus casé brisé. Donc, effectivement, le mouvement qui a fait qu'on y a là, démocrate a profité. Bah ouais, hier, le House of Democrats, tout blanc, vieux, ancien, qui est responsable, qui est là depuis 40 ans, 50 ans, le gouvernement qui va régler rien pour les Noirs. Vous mettez à genoux pour George et Floyd. Vous mettez bah, là, Africain sous yo. Si on jouait de la jouer, c'est vraiment c'est l'hypocrisie. Parce que ils n'ont pas réglé rien de sérieux. Ils n'ont pas réglé rien de sérieux pour les Noirs. C'est ça, moi-même, c'est son opinion. Moi. Bon, et pour correct, moi, je ne sais pas si j'aime qu'on est démocratie, c'est fait rien pour les Noirs, yo, percé. Alors, combien de dire, je ne vais pas dire plus que fait tout. Ouais. C'est ça que fait nous courir, nous, que nous y sommes là, parce que nous, nous ne pouvons pas faire. Et les gens commencent à faire un bagage, ils quittent les pages. Ils jouent la fête, ils commencent à faire l'île, ils quittent l'île, ils vont finir l'air, et puis ils vont venir aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un complot. C'est un complot. C'est-à-dire que je pense que les républicains et les démocrates, ils ont tous, ils ont rejoint pendant que nous avons un peu là, qui s'est un peu là. Capitalisme là et leur regarder leur déchiffrer capitaliste ou est que minot classe à la donne et la signifie si black là fait partie de minot classe de pour subir de façon c'est mon choix à la vie effectivement et son problème systémique cap des côtés qui là tout le monde pense c'est de Floyd qui a parlé mais c'est parce que cap de la vie plus profond et je pense que ah, c'est tout pas américain que j'ai bien vu. Jensen, d'abord, je voudrais remercier vous pour tant que vous êtes bon, pour bonne perspective, non seulement de l'histoire de Fantôme, qui est vraiment, j'en vous dis, peut-être que c'est un film que Funchida a parlé, parce que cinéma, c'est un film qui intéresse mon film, produit, film, on travaille sur plusieurs projets qu'on a de cinéma. Mais dans l'ensemble, il était important que nous trouvions un monde New York qui vive la situation et qui a expliqué que ça y est, ouais, parce que nous ne comprenons pas ça. Et est-ce que vous avez peut-être bah, tout le monde une adresse, encore une fois, et de tonnel, et pour que tout le monde qui a suivi l'émission ne pas oublier de visiter, de manger bon manger, vous pouvez manger là, manger bon manger haïtien dans le tonnel. Et d'ailleurs, s'il vous plaît. C'est un truc que le tunnel fermé actuellement. Et bon, actuellement, nous sommes même supposés changer de location parce que c'est à cause du corona. On est fermé, nous pouvons quitter ça. Parce que le corona ne soit pas ouvert du tout, nous ne pouvons pas fonctionner. Mais quand même, nous avons fait des livres online. Donc, le tunnel online, nous gérer ça jusqu'à présent parce que nous avons gagné pour prendre l'autre dossier dans la communauté qui a géré et soit fait le. Comme tout à l'heure, nous avons dans le domaine de santé. Si j'ai pris le domaine de santé, nous avons vraiment géré, mais par le tigre mon haïtien, c'est ça que nous avons fait. Mais nous avons le public pour tout le monde parce que nous n'avons pas assez de mains, parce que j'ai le monde qui travaille pour vous, parce que j'ai des gens à ça. C'était vraiment difficile. Pour nous, là, comme nous comptons un petit ouvert, mais là, nous avons peut-être gagné plus de monde qui a vu le travail et nous avons gagné plus de main-d'œuvre, nous avons fait une livraison online pour tout le public. Non? Mais avant ça, nous avons concentré dans le Tigre Mouna ICO, qui était la caillou, qui n'a pas gagné et façon pour la rue, pour te faire manger, pour te faire délivrer par eux et gagner
c'est l'hôpital nous va yoli gagner c'est dans un pierre service nous voyeli on j'ai pas ça. Est-ce que vous avez un website que nous ca visiter? Tunnel Lounge on Facebook, Tunnel Lounge on Instagram, Tunnel Lounge on .com, that's definitely it. Tunnel Lounge, T-O-N-N-E-L? Yeah, Tunnel, T-O-N-N-E-L, avec Lounge, L-O-P-N-G-E. Ok, .com. Et bien, ma mette ça sous écran. Alors, moi-même, grand monde, j'aime manger haïtien. Vous êtes à Hollywood, Florida. Est-ce que je vous commande la cognac là pour vous, bon griot, bon haka ou calibre pour moi? Oui, toi, loin, et la nuit, oui. Et bien, par contre, comment là, et bien, avant de venir à New York, vous n'avez pas manger pour moi? Bon, vie, expérience. Regardez comment se déroule par ici. Est-ce qu'on a un succursal Florida, un succursal Boston? Parce que ça a été collègue haïtien, l'absurde, ça vous noue, qui a maquette la pêche. Vin Miami, il y a un pile grand manger voir ici. Vin Miami. Ah, je comprends ça. Merci, un pile. Merci, Marco. C'est ton plaisir et content de parler ensemble à vous parce que nous connaissons que vous avez fait travailler ça longtemps. Ils sont pionniers dans ce qu'on fait là. C'est un plaisir pour vous de discuter ensemble à vous. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci.